Allez, on sait que tu vas craquer. T'as enfin décidé de t'offrir la voiture de tes rêves. Alors on t'a peut-être proposé une LOA ou une LLD. Mais c'est quoi toutes ces lettres? On t'aide à y voir plus clair. Alors déjà, c'est quoi le principe de la voiture en LOA ou LLD? C'est une alternative de financement au crédit automobile classique et tu vas voir, ça a pas mal d'avantages. Dans le principe, c'est très simple. Tu choisis le modèle de tes rêves, ta banque ou ton établissement de crédit achète le véhicule, puis te le loue. Une fois le contrat signé, tu t'engages à lui verser chaque mois un loyer et à toi les kilomètres, cheveux au vent. Le premier avantage de ces formules, c'est que ça te facilite l'accès à un large choix de modèles flambant neufs et en plus, sans apport initial. Bon ok, jusque-là c'est très simple. Mais alors c'est quoi la différence? LOA veut dire location avec option d'achat. LLD, quant à elle, veut dire location longue durée. Donc, comme leur nom l'indique, la première différence, c'est qu'avec la LOA, t'as le choix de devenir propriétaire de la voiture à la fin du contrat. Tu t'acquittes du montant fixé depuis le début dans le contrat, et après t'en fais ce que t'en veux. A l'inverse, à la fin de ta LLD, faudra rendre les clés. Autre différence notable, si tu cartonnes ta voiture, avec la LOA, les frais seront à ta charge. Donc pense à regarder les conditions de ton assurance. Et oui, parce que la LLD est généralement proposée en all-inclusive, un peu comme tes vacances à Ibiza. Ça veut dire que l'assurance, l'assistance et l'entretien sont compris dans tes mensualités. Pas mal pour gérer ton budget et éviter les mauvaises surprises. LOA, LLD, je sens que ton cœur balance. Donc voici un dernier conseil pour la route. Réfléchis bien à ton usage automobile. Pour combien d'années et pour combien de kilomètres? Ça t'aidera à bien comparer les offres et leur coût total. Et si t'es pas un pro du créneau, fais attention aux frais de remise en état quand tu restitueras le véhicule. Allez, question cash, c'est tout pour aujourd'hui. On n'a plus qu'à te souhaiter bonne route.